Bien le bonjour à vous, la famille. On se beaucoup manqueront. Je vois même pas les commentaires. Voilà, merci de partager et faites circuler la vidéo, s'il vous plaît. Quelques jours sans être sur Facebook. Je ne sais plus si on accueille tout le monde normalement. Bien le bonjour à toi, Ethan Lux. Voilà, il faut que je tente de voir un peu les commentaires des gens. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres qui sont encore en vacances. Malgré que beaucoup de personnes pensent que... Il y a beaucoup de Camerounais au Cameroun qui pensent que nous, les vacances là, on peut seulement venir qu'au Cameroun. Ils oublient que quand on vient au Cameroun, c'est parce qu'on a pitié d'eux. On dit, ouais, on va faire comment? Au lieu d'aller dépenser l'argent ici par là-bas, c'est mieux qu'on parte plutôt là-bas. Ça peut aider même deux, trois enfants. Quand on dit, vous n'allez plus jamais venir ici, il dit, qu'on les bloque même là-bas. Mais juste parce qu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris que ailleurs, tu pars dépenser ton argent, on te donne les honneurs. Tu viens au Cameroun dépenser, c'est les honneurs qu'on t'accueille avec. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup qui sont allés en vacances. Partager le direct, ça tourne un peu. Moi, j'étais en vacances, c'est pour ça que je ne me suis pas connecté depuis la dernière fois. Bonjour à toi, Néné. Voilà, je vois par les commentaires, ça vient, ça bloque. J'ai vu que deux commentaires seulement. Je vous avais dit que la lutte n'est pas la précipitation. Et avec ce que je vous expliquais aujourd'hui, j'espère que beaucoup vont comprendre. Oubliez le bavardage que les gens viennent souvent raconter là. Et il n'y a rien qui me dérange comme mentir, quoi. Quand les gens viennent pour vouloir raconter une histoire, ils mentent. Mais vous voyez bien que si je viens pour les répondre, je me rabaisse à leur niveau. Si quelqu'un vient mentir sur vous et que vous venez répondre, préparez-vous à répondre chaque fois et pas, ça va jamais finir. Le mensonge va continuer. Puisque la personne ne va jamais arrêter de mentir. À chaque deux pour trois, la personne sortirait pour mentir. Voilà, j'ai mis le titre du direct que je remercie la jeunesse africaine. Parce que je vous avais dit ici que Facebook, les réseaux sociaux, pour nous, c'est l'université. Laissez les gros diplômes qu'on a au Cameroun apprendre par le travail là. Voilà le vrai diplôme. C'est ici. On apprend tout ici, sur les réseaux sociaux. Et grâce à ces réseaux sociaux-là, si l'Afrique n'arrive pas à se libérer, alors considérez qu'on ne va jamais se libérer. Considérez-le. La preuve en est qu'il y a les gens qui comptent le chapelet 250 fois par jour. C'est une punition qu'on les a donnée. Mais ils continuent à compter jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai quelqu'un qui m'a dit aujourd'hui que Marie monte au ciel aujourd'hui. Non, les Camerounais ont beaucoup de problèmes. Et ceux qui vivent en Europe, mais ils ont même plus de problèmes que ceux qui vivent au Cameroun. Pas rien qui vit au Cameroun n'est pas stressé. Quelqu'un ose m'appeler aujourd'hui pour me dire comment Marie monte au ciel aujourd'hui. J'ai demandé qu'il est, elle était où? Bien le bonjour à toi, Maminou. J'ai dit que Marie était où? Elle dit non, tu sais que quand, comme elle était morte là, elle est montée au ciel. J'ai dit ouais. Avec l'explication qu'elle m'expliquait, j'ai dit ok, attends un peu. Donc si je comprends bien, Jésus est monté au ciel pour retrouver son père qui était Dieu. Elle dit oui. J'ai dit et Joseph qui était le mari. Elle dit que non, depuis qu'on avait enterré Joseph, Joseph est calé dans la tombe. J'ai dit que pour nous, les hommes sont toujours seuls. Marie qui a porté 9 mois de grossesse. Joseph, qu'on l'a trompé toute sa vie. Une femme qui était vierge, qui a accouché d'un enfant, qui était le Saint-Esprit. Joseph, s'il était intelligent, il devait les chasser le même jour que ça, je ne peux pas accepter. Mais il a gardé l'enfant du voisin. Il est mort, le père a récupéré son enfant et le cadavre. Et il récupère même sa femme. Pauvre Joseph, on l'a enterré. On dit que c'est la fête de ça aujourd'hui. Le peuple noir a déjà compris comment ça fonctionne. On n'a plus rien à foutre. On dit. Depuis que vous êtes né, vous avez déjà vu enterrer combien de rois? Partagez le direct, faites tourner le direct, s'il vous plaît. Je sais, depuis quelques jours, je ne suis pas là. Et c'est comme ça, on nous a toujours appris que si on n'est pas là, on oublie. On oublie souvent comme on oublie nos propres cadavres. Donc faites tourner le direct pour que ça arrive chez les autres. Un maximum de partage.
Vous savez, tout ce qui va nous libérer en Afrique, c'est l'éducation. C'est l'éducation. Même si on prend des armes pour combattre quelqu'un ou un groupe, même ton propre groupe va se retourner encore contre toi parce qu'ils vont combattre sans comprendre. Et c'est l'éducation. Rien que l'éducation va nous libérer. Rien que l'éducation. Pas deux choses, hein. Rien que l'éducation. C'est pour ça que le blanc a fait de façon que l'éducation de tous les pays qu'ils ont colonisés venait que d'eux. C'est pour eux qui était important. Voilà pourquoi c'est la Russie qui est venue nous montrer que ce qu'on appelle communauté internationale, c'est un petit groupe de personnes. Hein. Parce qu'à l'époque, quand on disait communauté internationale, mais moi je pensais que c'était un groupe de pays qu'on a choisi quand même, comme dans une réunion, il y a les membres du bureau. C'est comme ça moi je pensais. Mais avec le temps, j'ai compris que mais c'était un petit groupe de personnes qui ont décidé que de forcer le monde comme ils le veulent. Comme ils veulent, comment ça va marcher? Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on reste encore derrière pour vouloir avoir espoir qu'ils pourront nous aider. Non, ils aident leurs intérêts. Rien que leurs intérêts. Et alors, pour que nos populations puissent comprendre, on doit seulement fonctionner en termes d'éducation. Si on emprunte la violence sans éducation, nous-mêmes, on serait violentés. Puisqu'ils ne vont pas comprendre. On va se déshabiller pour bagarrer, mais à la fin, le camp d'en face va recruter tous ceux avec qui on bagarre pour bagarrer encore contre nous. Normalement, c'est censé être nous contre eux. Non, ça serait nous contre nous-mêmes. Vous voyez qu'ils font ça une fois, deux fois, trois fois. Ça fonctionne toujours, hein. Ça fonctionne toujours. Ça fonctionne toujours. Alors, aujourd'hui, on a un avantage. Je ne cesse de le répéter. N'utilisez plus les réseaux sociaux juste pour vous faire plaisir, rire, montrer les photos parce que vous voyez bien. Utilisez les réseaux sociaux pour éduquer les autres. Si on arrive à éduquer les autres, on va se libérer facilement. Les gens pensent que le Mali n'a pas les soldats russes. Hein. Le Mali n'a pas. J'ai parlé avec un ami, j'étais en vacances. J'ai fait des vacances avec des enfants. J'ai causé avec un ami malien. Il me dit qu'il veut rentrer au Mali pour entrer dans l'armée. Il dit, mon frère, Madou, tu as fait ici presque 22 ans en Europe. Tu veux rentrer pour entrer encore dans l'armée? Il dit, non, non, j'ai ma pierre à donner là-bas. Je vais entrer dans l'armée. Quelqu'un qui vit en Espagne depuis 22 ans, il veut rentrer au Mali pour entrer dans l'armée. Vous pensez que c'est quoi? C'est l'éducation. Les jeunes Maliens, pour entrer même dans l'armée aujourd'hui, n'ont pas besoin. Ils s'en foutent du salaire. Mais si vous partez au Cameroun, vous prenez quelqu'un qui entre dans l'armée, il part pour un salaire. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc, on doit utiliser les réseaux sociaux pour s'éduquer. On doit étudier les réseaux sociaux pour s'éduquer. Rien que ça, on va se libérer. Je vous jure sur l'honneur, on va se libérer grâce aux réseaux sociaux. Mais vous vous imaginez que ici, je viens, là comme je viens là, je vais chicoter, que ce soit Macron, que ce soit Pomba, je vais les chicoter tous les deux. Mais je pourrais avoir une antenne où je pourrais parler d'eux. Même s'ils vont envoyer les mercenaires pour venir me tuer, je vais dire ce que je pense. C'est les réseaux sociaux. On dit à mon patois que, puis le soir, mon gars, avant de mourir, j'aurais parlé. On ne meurt pas sans dessiner le drap avec ses pieds. Alors, c'est les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce que nous on fait? On utilise ça pour s'attaquer entre nous, pour s'insulter. On n'éduque pas la population. Mais on dit qu'on veut changer Pomba. Vous avez compris ce que Pomba a dit l'autre jour au Cameroun? On l'a demandé s'il doit laisser sa place aux autres. Il a dit qu'il faut qu'on soustrait 3 sur 4. Moins 7, ça fait combien? Non, en fait, c'est un peu comme. Bon, je suis pas allé au Lewa, hein? Je suis pas allé à l'école. Mais il y a souvent des questions. Mon fils vient à la maison avec des devoirs. On dit, tu as zéro bonbon. On enlève. Tu as zéro bonbon, on enlève deux bonbons. Plus deux bonbons, ça te fait combien? Il dit quatre. Je regarde comme ça, il dit. Ma femme est en train d'apprendre. Mais moi, d'avoir à côté, il dit, mais attends. Le petit, j'ai dit au petit, on t'a dit que tu as zéro bonbon. Il dit, oui, papa, j'ai compris. Et dans zéro bonbon, là, tu enlèves deux bonbons sont d'où? Vous voyez? Donc, c'est des trucs qu'ils ont fait pour travailler notre cerveau. Pour nous embrouiller d'habitude. Toutes les éducations viennent d'eux. Tout vient que de chez eux. On doit fonctionner comme ils aiment. Jusqu'à si on ne fonctionne pas comme ils aiment. Voilà un truc. Je vous avais dit ici, n'oubliez pas.
Même pour laver votre propre corps, vous commencez à quelque part. Pour laver votre propre corps, vous commencez à quelque part. Je pense qu'il y a des gens, quand ils arrivent à la douche pour se laver, ils mouillent d'abord les pieds. C'est pour tester la température d'eau. Le Mali a commencé. Le Mali a commencé. Je vous avais dit ici que la libération de l'Afrique va commencer à quelque part. Les Congolais sont avec la MINUSMA. Où c'est la MINUSCA, où c'est MINUSMA là? Depuis combien d'années? Dans le Nord Kivu, plus de 8 millions de morts. Ils sont là depuis. Est-ce que les Congolais ont pensé un jour les chasser? Est-ce que c'est venu même dans l'esprit des Congolais les chasser? Mais non, ils sont arrivés au Mali depuis 2013, 2012. Les Maliens ont décidé que non, ça ne fonctionne pas comme vous pensez. Les Congolais, les jeunes Congolais ont aussi vu. On dit, ces gens, ils sont ici depuis. On nous tue. Où sont MINUSCO? On nous tue. Ils ne font rien. Et ils sont là tous les jours. Ils enseignent nos filles. On ne veut plus de vous, vous allez partir. Mais ils ne servent à rien. Ils ne servent à rien. Mais les jeunes ont copié ça où? S'il vous plaît, utilisez les réseaux sociaux. Que chacun, quand il touche son téléphone, il considère qu'il est en train d'entrer comme ça à l'université. Je touche mon téléphone pour entrer comme ça à l'université. Je ne viens pas juste me balader. Ne prenez pas le téléphone tous les jours juste pour faire des selfies avec. Je vous ai dit ici que ça c'est une arme. Quand j'ai touché ça comme ça, j'ai regardé. J'ai dit, mais ça c'est une arme. Voilà une arme que j'amène alors que je ne suis pas dans l'armée. Ils vont me sentir. Je vous jure sur l'honneur, voilà ce que j'avais dit. Quand j'ai touché le téléphone, je vois des options qu'il y a dedans. On commence à. On peut communiquer entre nous. On peut parler entre nous. Qu'est-ce qui nous freine de plus? On est à l'université. Bienvenue en classe. Asseyez-vous et prenez les cours. Voilà la famille. Comme vous pouvez constater, ça fait beaucoup de temps que je n'étais pas sur les réseaux sociaux. J'étais aussi un peu en vacances. Et il y a toujours beaucoup de l'expérience dans la vie. Vous savez, je dis ici au papa, hein, ce message c'est pour les papas. Quand vous avez souvent les femmes, les hommes qui sont mariés là, avec les enfants à la maison. Soit vous rentrez parfois à la maison, vous voyez la femme est fâchée, pour un oui ou pour un non, elle fait comme si elle avait les crises. S'il vous plaît, parfois prenez les enfants, voyagez dans un autre pays, allez en vacances seul, rien que vous et les enfants. Rien que vous. Quand un enfant va dire papa pipi, tu vas dire va faire pipi. Ça va faire pipi pour tout le monde. Ça veut dire que tout le monde veut faire pipi au même moment. Tu comprends pourquoi souvent ta femme est souvent fâchée pour rien quand tu rentres le soir. C'est tout de l'expérience. Et quand vous allez rester avec ces enfants-là, ça permet aussi de respecter nos mamans. Respecter nos femmes à la maison. Parce que c'est pas facile. Tu fais 2 semaines de vacances avec eux, tu pries à Dieu même quand t'arrêtes, tu pars en cellule. Tu as envie d'aller en cellule faire quelques jours et ressortir sans les voir. Voilà. Donc beaucoup de respect pour nos femmes, pour nos mamans, pour tous ces personnes-là qui sont avec les enfants 24 sur 24. Ils ne sont pas faciles. Ils sont plus que les petits démons. Que le Dieu nos ancêtres les épargne de tout. Voilà la famille. Je suis de retour. Beaucoup de choses sont passées. Beaucoup de choses. Et j'avais décidé que pour ne pas avoir une crise cardiaque, pour ne pas me fâcher, je dois un peu m'éloigner des réseaux sociaux et écouter seulement ce qu'on a dit sans voir. Écouter ce que quelqu'un me raconte sans que ça ne soit la vraie version. Vous savez, quand il y a un accident d'avion, on dit l'avion s'est égaré, on dit jamais que l'avion est tombé. C'est pourquoi vous avez le temps de bomber le sang dans vos cœurs avant d'écouter la bonne nouvelle. Mais sinon, l'avion est tombé le même jour qu'on vous a dit que l'avion s'est égaré là. Mais toi, tu restes encore avec l'espoir que l'avion là, on peut retrouver. Peut-être c'est encore dans les cieux. Peut-être qu'il y avait beaucoup de kérosène, ça ne fait que tourner. Ça va finir par atterrir dans 3 jours. Mais l'avion était tombé depuis le jour qu'on vous a annoncé. On a dit que Macron partait au Cameroun. J'attendais de voir ce qu'il partait au Cameroun faire. Il devait faire le tour. Vous savez, il n'y a rien qui dure éternellement. Même les bonnes choses finissent par finir. Même les plus belles choses finissent par mourir. Si on avait dit à quelqu'un qu'un jour on va voir comment l'Afrique se libère devant nos yeux, il y a beaucoup qui n'auront pas cru. Et je sais que jusqu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui ne croient pas. C'est pour ça que j'ai tout pour habitude de dire, la lutte n'est pas la précipitation. Pour ceux qui se pressent, vous vous pressez sans comprendre. Dans cette lutte-ci qu'on fait,
C'est juste le calcul. On dit, quand le cerveau refuse de réfléchir, les muscles vont tellement souffrir, juste à s'éclater. Mais quand on réfléchit avec le cerveau, mais tout est sur pied. 99,9% des riches, même des milliardaires que vous voyez dans le monde, ils n'ont jamais porté les sacs de ciment comme vous. Vous savez, la tête seulement. Rien que la tête. Rien qu'avec sa tête, il vous met au travail, tous. Nous, la jeunesse africaine, si on utilise la tête, parce qu'il y a un truc que je me pose comme question, pour dire, si la France n'est pas juste bête, parce qu'égoïstes, ils ne sont pas égoïstes. Pour moi, je les considère comme des personnes bêtes. Parce que leur égoïsme a doublé de bêteté. Vous fabriquez la monnaie de 14 pays d'Afrique. Je dis des billets, des bouts de papier que c'est vous qui fabriquez. Vous pouvez imprimer autant que vous voulez. Vous n'arrivez pas à construire un pays, mettre les jeunes là pour travailler même pour la même économie. Jusqu'à ce que vous payez totalement. Parce qu'aujourd'hui, mais la France devant nous est comme un homme qui a tellement menacé sa femme qu'un jour il dit, oui, la femme veut se séparer, il dit non, chérie, j'ai changé. Il dit non, tu vas tout recommencer, je ne veux plus rien savoir. Tu restes la même personne. Qu'est-ce que la France peut bien dire aux Africains? Jusqu'à ce qu'on... Chaque année, depuis que je suis né, je comprends toujours, on est en train de renouveler les accords et les partenariats. C'est quel partenariat? C'est quel partenariat que la France renouvelle avec les Africains qu'on ne voit pas le changement? Mais aujourd'hui, avec la jeunesse africaine, avec les réseaux sociaux, on a compris que c'était des menteurs. Je dis bien, comment la France pourrait venir devant nous, nous expliquer que nous, on va aller sur les nouvelles bases? Depuis 60 ans, on est toujours sur les nouvelles bases. C'est une relation toxique. Est-ce que Macron lui-même ne comprend pas que c'est une relation toxique? Que c'est mort? Macron ne comprend pas que c'est mort? Et nous, la jeunesse africaine, on voit ce qui se passe. On analyse, mais on n'arrive pas à passer à l'action. Regardez. Nous, les Africains, on dit qu'on ne nous respecte pas nulle part. Comment faire pour qu'on vous respecte? C'est vous qui imposez votre respect. C'est nous, les Africains, à imposer notre respect à ces gens-là. J'avais pris un exemple ici un jour. J'ai dit, les Africains demandent faire plus de 1000 visas. Demandent 1000 visas par jour. Supposez seulement que chaque visa, chaque demande de visa, ils paient seulement les frais de visa, seulement 20 euros. 1000 personnes par jour. Rien qu'au Cameroun, je ne parle pas de l'Afrique. Rien qu'au Cameroun, 1000 visas par jour. Mais sur les 1000 visas, on donne peut-être à 28 personnes. Ou à 50. Je dis par jour, plus de 1000 visas. Mais ces frais de visa ne sont pas remboursés. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit ou je recommence? 1000 visas et on donne à 48. Et les frais de visa, donc les 20 euros fois 1000 là, on ne rembourse pas. Et c'est comme ça par jour. C'est la France. Mais vous pensez en retour que 1000 Chinois peuvent demander 1000 visas et on donne seulement à 50? Si 1000 Chinois demandent le visa, on va remettre le visa à 995 Chinois. Mais il y a de cela aussi 30 ans ou 20 ans en arrière, et ils demandaient aussi 1000 visas, on donnait à 8 personnes. L'Afrique, c'est comme le corps humain. Rappelez-vous que pour vous laver, vous commencez à quelque part. Ça a commencé au Mali. Le Mali, si nous, on ne les soutient pas, ils auront tous les problèmes du monde. Je vous ai dit, c'est un cartel. C'est un groupe bien formé. Si on ne les soutient pas, ils vont faire tous les problèmes possibles au Mali jusqu'à un jour, vous allez vous lever encore le matin. Vous allez voir le Mali encore au point de départ avec encore un président fantoche fabriqué en Occident. Ça, c'est le moment où jamais. Je ne vous ai pas dit de payer les armes pour aller faire la guerre au Mali ou soutenir les Maliens dans la guerre. Rien que le fait de dénoncer tous les jours, il y a des personnes dans votre entourage qui vont se rejoindre à la lutte. Ce n'est pas le marathon. C'est pour ça que j'ai mis le titre de cette directe. Je remercie tout la jeunesse africaine. Tous ceux qui allument leur caméra, qui savent qu'ils sont à l'université, ils tapent. Il n'y a que ça qu'on peut.
Allumez vos caméras, il faut bombarder. Bombarder des messages, commenter quand vous trouvez des choses. Quand ce blanc-là met des choses, vous commentez, écrivez ce que vous pensez. Ne vous inquiétez pas, ils lisent les messages. Ils lisent les messages, ils écoutent. S'ils ne prennent pas une heure pour écouter une vidéo, les messages dans leurs commentaires, ils lisent. Et c'est vos commentaires qui font qu'ils disent « Mais la Russie a fini par prendre tous les Africains pour mettre en poche. La Russie, avant de venir, vous étiez où ?» On s'exprime en français. On écrit en français. Mais vous ne nous prenez pas comme des hommes, alors que vous nous avez imposé votre langue. Avec des biais que c'est vous qui imprimez. Mais vous ne nous aidez pas à nous développer. Vous mettez des personnes que c'est vous qui contrôlez. Et vous finissez par perdre le contrôle. On dit, le chien que tu as nourri peut te mordre un jour. Non, non, je ne pensais pas que ça se mord comme ça. Le chien vous mord quand il est pris au piège. Pomba est pris dans quel piège? Pour mordre la France. Pour ceux qui pensent encore que la France a le contrôle sur le Cameroun, c'est faux. Je vous le dis aujourd'hui que c'est faux. La France n'a pas le contrôle sur le Cameroun. La France n'a le contrôle sur aucun pays d'Afrique aujourd'hui. La France dort sans dormir parce que tous les pays, même ceux qui viennent changer encore les présidents, il n'y a que le président là qui l'écoute. Le reste de la population doute de la France. Posez-vous la question de savoir les aides qu'on nous dit qu'on va nous aider depuis les années, c'est où? On nous a aidés en quoi? C'est toujours en français qu'on a dit que de donner à manger à un homme, il faut l'apprendre à pêcher. C'est mon patois qui a traduit cela? Je pense que non. C'est la France. Au lieu de donner à manger à un homme tous les jours, apprendre à pêcher. La France nous a appris à pêcher quoi? Les crevettes? Quoi? Aujourd'hui, il faut venir renouveler les accords. Pour ceux qui ont peur que Franck Biapé devienne président du Cameroun. Si vous avez peur que Franck Biapé devienne président du Cameroun, alors vous n'êtes pas des lutteurs, vous n'avez encore rien compris. Je vous explique mon esprit. Je veux que Franck Biapé devienne président du Cameroun. Je veux que Ngongo devienne président du Cameroun. Je veux que Luipo Motazé devienne président du Cameroun. Je veux que tout le clan là devienne président du Cameroun. La lutte n'est pas la précipitation. Rien ne serait plus comme avant. Peu importe celui qui devient là-bas, ça va sortir justement comme on veut. Vous avez compris où je répète. Franck devient président. Ngongo devient président. Même Chantal Biya, que ça devient même un royaume. Rien ne serait plus comme avant. Si vous avez peur de cela, ça veut dire que vous n'êtes pas déterminé dans la lutte. Un vrai lutteur n'est plus tenté d'une affaire de présidence. Parce qu'avec le système de présidence au Cameroun, peu importe celui qu'on met au pouvoir, il va suivre le système de la France, alors on n'aurait rien gagné. Si vous mettez dans vos cœurs que je veux le changement dans mon pays, même s'il faut y laisser ma vie en chemin, les autres vivront mieux. Vous allez voir que ça va changer. Parce que si Franck vient, il arrive au Cameroun, vous pensez que Franck peut faire quoi de plus? Il est d'abord caché derrière comme une souris, il ne parle jamais jusqu'à aujourd'hui. Il veut sortir seulement comme le Njuju Kalaba. Monsieur Franck Biya, vous ne nous effrayez pas. Vous ne nous effrayez pas. Sortez comme le Njuju Kalaba, sortez comme vous voulez. Mais rien ne serait plus comme avant. Ce pays-là serait dirigé comme nous, la jeunesse, on le veut. Vous savez, il y a un truc qui me traverse souvent l'esprit. Mais j'ai dit, pourquoi nègre, pourquoi même penser comme ça? Ce sont des bandits. Ce ne sont que des voleurs notoires. Moi, quand j'étais petit, j'avais même pas encore 10 ans. Mais quand le grand-père faisait souvent des choses ou avec les autres oncles au village, il disait que moi, il pense qu'en faisant ça, ça va se gâter devant. Hein. Il leur disait ce qu'il pensait. Homme, il leur dit ce qu'il pense. Mais je parlais avec des autres vieux même du quartier. Pour dire, mais ce que vous avez décidé le jour là, je pense que c'est un truc que c'est... Mais vous pensez que Franck n'a pas une caméra pour dire au peuple camerounais comment vous voyez là, nous, le pays va un peu dans tous les sens, si on pouvait trouver que nous les jeunes. Vous pensez qu'il ne peut pas dire ça, hein? C'est parce qu'il a été éduqué comme une souris. Juste d'être un rongeur. Et en étant derrière, vous pensez qu'il pourrait venir dire quoi de mieux que de ce qu'on sait de lui? Il va venir vous dire qu'il n'a jamais volé. Il a peur de vous affronter. Vous faites peur à la jeunesse camerounaise. Et la jeunesse africaine aujourd'hui fait peur à tout l'Occident. Parce que eux, dans leur tête, ils se disent, on fait comment? Regardez un peu, il y a de cela 3-4 ans en arrière. Quand il y avait un petit problème dans le pays, la France coupait l'internet. Aujourd'hui, ce problème, la France ne peut plus.
Il ne peut plus couper l'Internet parce que l'Internet aujourd'hui, dans beaucoup de pays, se trouve que deux lignes. L'informatique va en avant. Les jeunes sont en train d'innover. Ils découvrent plein de trucs. La France se trouve prise dans l'engrenage, dans son propre piège. Peuple africain, je veux que chacun d'entre vous me dise comment quelqu'un qui contrôle la monnaie d'un pays, si cette personne-là n'est pas extrêmement méchant, comment vous pouvez faire pour que ce peuple-là, 100 ans plus tard, ils ne sont pas développés, alors que vous contrôlez la monnaie, des bouts de papier que vous pouvez transformer comme vous voulez. Parce que regardez le peuple noir. C'est un peuple qui s'y vit là où il y a seulement la paix. Si un noir gagne par exemple, quand le noir déjà a un business même, qui gagne peut-être même seulement 100 euros par jour, tu le dis que, comme tu gagnes 100 euros par jour là, si tu casses ça, tu te transformes plus comme ça, tu vas gagner plutôt 500 euros par jour. Tellement il aurait peur qu'il ne pourrait pas casser ce que tu as dit. Longtemps plus tard, c'est peut-être même 20 ans plus tard qu'il va venir faire ce que tu l'avais dit il y a cela 20 ans. Mais à l'instant, il n'est pas capable de faire. La peur l'habite parce qu'il vit déjà trop mieux. Quand il est à l'aise, il ne bouge plus. Mais la France le sait. Les Occidentaux le savent. Ils ne l'ont jamais fait. Quand on dit que la France, quand on accuse la France que la France contrôle notre monnaie, vous pensez qu'il contrôle seul? Vous pensez qu'il le contrôle seul? Non, ce sont nous qui est mis devant, qui est sali. Les États-Unis sont derrière, ils contrôlent ensemble. C'est même monnaie de France, c'est pas là. Mais on voit que la France, la Belgique, l'Allemagne, tous ces pays-là, ils sont ensemble. La Grande-Bretagne. Mais nous, on voit qui? On voit celui qui était venu remettre le paquet. Le cerveau du vol derrière, on ne voit pas. On connaît que la France. Vous, monsieur le français, 60 ans plus tard, vous n'avez rien foutu chez nous. Et tout ce que nous on a besoin maintenant, c'est de vous foutre à la porte. Peu importe les longs discours que vous allez avoir, peu importe ce que vous allez faire maintenant, c'est la fin. Ça prendra des jours, des mois et des années qu'il faudra, mais c'est la fin. Parce que un homme a visé en vos deux. Aujourd'hui, nous, on est déterminés, on connaît à ce qui se passe. On sait comment ça fonctionne. Peu importe le discours que vous allez venir nous dire, la France a besoin d'écouter les Africains dire, oui, nous, on vous aime. C'est ce que vous voulez écouter? Oui, mais on vous aime. On vous aime, la preuve en est qu'on ne fait que parler en français. On vous aime. Mais on se préfère. On se préfère. Pomba est parti au Cameroun avec Franck Biya, avec la France. Les Camerounais ont pris peur. Qui veut changer pour mettre Franck Biya au pouvoir? Le Cameroun que vous voyez là, ce n'est pas la viande des dieux du pied d'arbre. Hein, qu'on va prendre un peu, on va donner à l'autre. Prendre comme ça, donner à l'autre avec un peu d'huile. C'est pas ça, détrompez-vous. À cause des réseaux sociaux, vous allez changer le président que vous voudrez au Cameroun. Les Camerounais vont rester calmes comme vous voulez au Cameroun. Mais le matin, quand ça va vous sauter au visage. J'ai écouté un monsieur dire quelque chose sur un plateau de télévision. Le nom de Dieu, le nom est Soma. J'ai vu beaucoup de Camerounais ont critiqué. On dit la sardine en chef. Je vais vous dire quelque chose. Il peut peut-être emprunter des mots mal placés. Et comme quand on explique quelque chose, chacun comprend comme il pense. Ce n'est pas tous les êtres humains qui ont la même capacité de réaction ou de compréhension. Ce que j'ai écouté ce monsieur-là expliquer, je vous le dis ici, il avait totalement raison, sur toute la ligne. Ceux qui discutent ça et qui défendent ça n'ont pas compris la posture de la France avec son système colonial. La capitale se trouve à Yaoundé. Yaoundé, c'est le village de Yaoundé. Le président est de ces régions-là. Les hauts gradés sont de ces régions-là. La manipulation qui peut passer derrière, c'est un peu ce que vous avez vu Macron a fait en Guinée-Bissau. Qu'on est en train de tuer les Touaregs, les Peuls, en disant que c'est les terroristes. Donc Macron savait comment il y avait des terroristes qui n'étaient pas des terroristes et ils s'étaient tués. Mais nous, on est très contents de comprendre cela. Mais c'est le même système que Dieu René Estomba expliquait l'autre jour, que les Camerounais qui se trouvent à la capitale, à Yaoundé, ceux qui vivent loin, ne pourront pas venir les tuer sur place. Quand les problèmes vont commencer, ils vont bloquer la capitale. Ils vont vous laisser dehors. Là, vous ne pouvez pas. Ça veut dire, avec les armes,
On ne peut pas chasser Franck Biya au pouvoir. Franck Biya peut arriver. C'est pour ça que je dis, mettez dans vos esprits que demain, Franck devient président. On dit souvent dans mon village que Ngoyo a Makino l'endoumia. Je veux voir comment Makino va pleurer, pas pleurer son mari. Mais si le mari de Makino n'est pas mort, comment on saurait comment pleurer? Et les personnes qui avaient aussi peur que Pomba, en 2025, il serait très vieux. Il vous a dit de faire l'addition. Je vous avais dit ici que si ce imbécile-là est encore vivant, les prochaines élections, ils se présentent. Parce qu'il veut transformer le Cameroun en royaume. C'est que vous ne comprenez pas. Il veut le transformer en royaume. Et pour transformer en royaume, le roi, dans nos traditions ancestrales, si le roi n'est pas mort, on ne nomme pas le successeur. Même s'il chie, mange, il reste le roi. Pomba n'a jamais gouverné le Cameroun. Si nous, les activistes, on ne décidait pas de le chasser en Suisse et le perturber tout le temps qu'il vient, il devait être tout le temps maintenant en Suisse. La preuve en est même que Pomba peut revenir en Suisse en cachette. Sans plus rien dire, sans taper les médias. Et il reste dans le même hôtel. C'est un qui peut rester à la maison un mois, deux mois, sans sortir dehors. Pomba, vous voyez là. Pomba peut rester au dans son hôtel. Un mois, deux mois, il ne sort pas de la maison. Alors, si aujourd'hui il y a des Camerounais qui attendaient la mort de Pomba, il vous a servi. Après moi, c'est Franck. On ne peut pas mettre Brenda. Brenda, il y a Zinzé. Si ce n'est pas Franck, c'est Ngongo. On vous tourne en burée comme ça. Et je vous avais dit, les anglophones nous dépassent. Parce que ce débat de Franck, ce débat de Chantal, anyway, ils sont pas, ils connaissent même pas de quoi vous parlez. Ils ne savent pas de quoi vous parlez. Mais vous occupez vos esprits avec des histoires qui n'existent pas. Le Cameroun, vérité et réconciliation, ça va se faire à Mondo Vision comme ça. Aujourd'hui, regardez dans le monde. Beaucoup de personnes aiment Poutine beaucoup aujourd'hui. Vous savez pourquoi beaucoup de personnes l'aiment? C'est parce qu'il est véridique. Quand il parle, quand il prend même le micro aux Nations Unies, il est véridique, il parle que de toi. Il parle la qualité de français que vous avez l'habitude de comprendre. Et pour que quelqu'un dirige ce pays-là aujourd'hui, ou dans nos pays africains, il faut quelqu'un qui tient des discours que nous, on comprend ce que ça veut dire. Leur histoire de jeu politique, nous, on ne sait pas ce que ça veut dire. Ça veut dire des menteurs, des voleurs, des doublards. Nous, on ne les veut plus. On nous parle de démocratie. On nous apporte la démocratie à coup de bombes et de gaz lacrymogènes. Ou de balles. Mais les Africains ne peuvent pas tenir ce qualité de démocratie. Ce n'est pas possible. La MINUSCO, on doit les envoyer en Russie. On doit les envoyer dans les pays des Blancs là. Nous en Afrique, on n'a plus besoin. Parce qu'ils ne nous servent à rien. Je dis, chaque Africain qui a une caméra, qui a un téléphone, pour ceux qui n'ont pas la capacité de tenir devant une caméra pour parler, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Écrivez ce que vous pensez. Oubliez, enlevez la mort dans vos esprits. Je peux parler ici, je tombe là, je meurs. Donc enlevez la mort dans vos esprits. Écrivez ce que vous pensez. Vous savez, j'ai vu des commentaires sur une chaîne de télévision française que je ne veux pas nommer. Et le même commentaire, on avait mis beaucoup de cœur à cette personne-là. Il y avait une tête de mort. J'ai touché pour la tête de mort, pour chercher celui qui avait mis cette tête de mort-là. Je trouve quelqu'un qui est représentatif, je sais pas comment dire en français quoi, représentatrice, anyway, d'une autre chaîne de télévision. Ça veut dire, il a lu le commentaire de cette personne-là. Et ce commentaire-là disait quoi? On nous a tellement menti en Afrique. Si la Russie ne venait pas, peut-être on ne devait jamais ouvrir les yeux. On a compris comment ça fonctionne. Merci quand même que je m'explique en français. C'était un commentaire un peu, pas trop. Mais il y avait tellement les cœurs sur ce commentaire-là. Que l'autre est venu se mettre la tête de mort. J'emploie ici les Africains. Ne parlons pas de nos problèmes dans la chambre. Ou seul. Parlons pour que tout le monde écoute. Pour qu'on se libère, il faut seulement l'éducation. Avec les coups de poing, on ne pourrait pas. C'est ces gens-là qui fabriquent les armes. Regardez comment la guerre en Ukraine. Qu'est-ce qu'ils font? Ils remettent les armes parce qu'ils ont envie de renouveler leur stock. Un peu comme si les gens jetaient les habits pour renouveler les garde-robes. Il faut conscience, nous les Africains.
Il ne faut plus qu'on prenne des armes chez eux pour s'entretuer entre nous, alors que juste avec l'éducation, notre population bloque toutes les rues. Si le Mali dit que tous les Maliens dehors pour défendre la patrie, tous les Maliens seront dehors. Je dis tous les Maliens. Sans exception, il n'y a pas une affaire d'ethnie là-bas. Il n'y a pas de dire que je suis malinqué, je suis cognaqué, je suis peul. Il n'y a pas là-bas, il n'y en a pas. C'est l'éducation seulement, rien que l'éducation. Excusez-moi. C'est rien que l'éducation. Si on se concentre, chacun d'entre nous, on est combien de milliards, combien de millions d'Africains? Beaucoup ceux qui savent s'exprimer. Ce n'est pas tout le monde qui savent parler. Il y a ceux qui ne savent pas parler. Il y a ceux qui, même pour parler, s'énervent. Il y a ceux qui voient. Écrivez, laissez les commentaires. Dites ce que vous pensez. Un peu, ça va changer. Je vous ai dit la dernière fois, il y a des présidents africains qui ne sont pas les dictateurs, qui n'étaient pas des mendiants. C'était des hommes qui pensaient bien, qui aimaient le bien pour leur peuple. Ils sont arrivés au pouvoir. Ils ont lâché le peuple. Ils ont lâché le peuple. Vous allez en vouloir à ce président-là. Je vous ai expliqué que ce président-là, ce n'était pas des malhonnêtes. Ce n'était pas des mendiants. C'est qu'ils prennent un pays à main. Quand l'Occident commence à les obliger, comment ils vont marcher? Ils se retournent derrière comme un esclave qu'on est en train de fouetter. Ils regardent ses frères, tout le monde est enchaîné. Personne ne bouge. Il se rend. Voilà, toute sa vie, il serait traité de mendiant. De tout ce que vous voulez. Mais il n'était pas mendiant. Il s'est juste retrouvé devant des assassins. Que s'il ne fait pas ce qu'ils veulent, on va l'abattre. Et vous, derrière, vous ne réactionnez pas. Si on veut un nouvel Afrique, il faut que c'est tout le monde qui met la main dans la pâte. Tout le monde, sans exception. Regardez la tournée de Macron. Vous avez vu le même système qu'ils ont fait au Rwanda, entre Tutsi et Hutu. Le même système. Avec la même manipulation. Parce que quand vous regardez l'histoire aujourd'hui avec Paul Kagame au pouvoir, qui est Tutsi, les gens pensent que c'est les Hutus qui tuaient les Tutsis. Non. C'était la manipulation française. Ça veut dire vous me tuez. Vous êtes les premiers encore à crier, il a de me tuer. La France est partie en Guinée-Bissau devant le monde entier. Il a accusé l'armée malienne de tuer des peuls et mentir que ce sont des terroristes. Comme si sur le front de quelqu'un était écrit terroriste. Depuis 2012 que la France est là-bas, ils n'ont jamais expliqué ceux qui tuaient et ceux qui ne tuaient pas. Vous savez, tout ce que disent est international. Tout ce que disent est international. Ce que nous on dit, c'est local. Leur langue est internationale. Nos langues sont des dialectes. Donc ça veut dire, si je comprends bien, si nous au Cameroun, ou par exemple les Maliens, parlaient que Bambara, et que c'est les Maliens qui avaient colonisé la France, et que la France est une sous-région, ou le troisième monde comme pour nous là, c'est que les Maliens vont dire à la France que non, votre langue là c'est une dialecte. Est-ce que vous avez compris ce qu'il veut dire? Donc si les choses se renversaient, c'est que l'espagnol là, ce n'est pas espagnol, c'est une dialecte. Puisque pour eux, le lingala n'est pas une langue. C'est une dialecte. Ce qui est pour eux international, ce qui est pour nous n'est pas bon. Peuple africain, voilà, je suis rentré du voyage, un peu fatigué, je n'étais pas trop sur les réseaux sociaux. J'ai écouté beaucoup de choses. J'ai aussi reçu des accusations des gens que je n'ai pas besoin de les répondre parce que quand quelqu'un allume une caméra, on est devant l'université. Quand moi je viens ici, chaque jour, je vous ai toujours dit la vérité et rien que la vérité. Il y a des gens quand ils parlent, ils ont peur de prononcer des mots. Je vous ai toujours dit ce que je pensais.
Même si je devais perdre la vie à la seconde après. Je vous ai dit ce que je pensais. Mais j'ai vu des personnes m'accuser qu'à Genève, on a fait une stratégie et moi je les ai laissés et j'ai fui. Je voudrais que cette personne-là, eux tous, comprennent que ce n'est pas 37 ans que j'ai. Ce n'est pas 37 ans, c'est 37 sagesses. Ça veut dire que j'ai c'est un sac de stratégies. Parce que quand les gens, les personnes veulent aller lutter contre un système, ils ne pensent même pas. Moi, je ne me comporte pas comme une femme. Hein. Je ne fais pas pour penser après, je pense avant de faire. Et que toutes les personnes qui viennent sur Internet, qui n'ont pas l'habitude de dire la vérité, apprenez à parler la vérité. Juste la vérité. Comment ça s'est déroulé? Voilà, j'ai compris que vous étiez à Genève. On vous a amendé. Vous avez payé les amendes. Je ne paye pas d'amende parce que j'avais fui. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Moi, d'être colonial, je ne paye pas d'amende parce que j'avais fui. Les mêmes personnes qui parlent disent il y avait telle chose. Moi, j'ai toujours dit, moi, dans cette lutte-ci, pour que j'ai une raclée, comme beaucoup ont des raclées bidons là, c'est très difficile. Moi, j'analyse. Je pense. Je calcule quand même le nombre de temps de prison qu'on peut me donner pour l'action que je n'ai pas fait. Je sais que beaucoup d'entre vous partent là. Ils ne connaissent même pas. Quand on les arrête même pour un petit... J'ai vu des gens qu'on m'a arrêté, on a mis en cellule. J'arrive en cellule, je commence à dormir. Mais ces mêmes gens-là, chaque deux minutes, boum, 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 je vais faire pipi. Tu sens comment? Ils disent qu'ils veulent lutter, mais ils ont peur. Des gens qu'on veut mettre les empreintes. Et même monsieur, pourquoi vous voulez mettre mes empreintes? J'ai juste marché. Laisse qu'il mette les empreintes, il va dire, il ne va pas te manger. Ça veut dire que vous marchez en Europe, vous ne connaissez pas la loi européenne. Apprenez à apprendre le système ici. Vous analysez par vous-même. Je vous ai parlé ici de 4-4-6. Vous avez compris? C'est le seul système pour vivre en main. On connaît la loi. On respecte la loi. Quand on veut abuser de la loi, ça tombe du monde, on ne va rien nous faire. Vous avez compris? Je vous avais dit, si vous partez, une femme est devant qui vous commande. Moi, négro. Une femme ne peut pas se placer devant, dire on monte, je monte seulement, on descend, je descends seulement. J'ai dit, vous allez partir, on va vous arrêter tous. On va vous garder, demain on va vous libérer à 17h. Que chacun dit à quelle heure il a été libéré. Si je m'étais trompé de l'heure. Donc, moi je donne une stratégie, vous m'obligez à marcher dans votre système, alors c'est moi qui prépare ça depuis. J'ai dit, allez, on va vous arrêter. Donc, je devais connaître qu'on va vous arrêter. Et moi aussi, je viens aussi comme un tombap. Sachant qu'on va m'arrêter, alors je sais qu'on va m'arrêter. Mais ça, il y a un truc dans vos têtes qui ne fonctionne pas bien. Moi, quand je fais quelque chose, peu importe ce qui m'arrive, je connais plus ou moins combien d'années même de prison on peut me donner pour ce que j'ai fait. 22 ans en Europe, ce n'est pas 22 jours. Je vous ai dit, il y a les personnes qui vivent en Europe, même les rues de derrière chez eux, parfois, ils ne connaissent pas. Je ne suis pas venu ici m'asseoir comme un mendiant. Je suis venu voir comment ça fonctionne ici pour un jour rentrer dans mon village et le faire. Pourquoi ça fonctionne qu'ailleurs? Pourquoi pas chez moi? Vous ne vous posez pas cette question-là? Non, il y a beaucoup qui sont arrivés en Europe. Non, je suis déjà bien arrivé. De toutes les façons, c'est propre. Vous n'êtes pas différent de Pomba. On dit qu'il faut l'eau. Il vient laver ses mains à Genève. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Je ne suis pas la honte de ma génération. Quand je fais quelque chose, j'assume ce que j'ai fait. Avant de faire n'importe quoi, je connais les conséquences. Quand les conséquences arrivent, j'étends les mains seules comme ça, on me minote. Je ne doute même de rien. Même une larme, vous n'allez jamais voir. Même le regret, moi, négro, je n'ai pas. Parce que moi, avant d'aller au front, je sais ce qui m'attend. Payer des amendes. Apprenez à comprendre les autres. Si vous n'arrivez pas à analyser, il faut savoir, ce n'est pas l'école. Vous êtes parti à l'école, on vous a juste volé les années gratuites. Pendant ce temps-là, nous, on était au champ, on travaillait. Vous avez compris? Donc, ce n'est pas parce que vous savez trop écrire, parler français couramment, que vous êtes sage ou intelligent. Vous n'avez pas de sagesse, vous n'avez pas d'intelligence. Tout ce que vous avez fait, c'est bavarder comme vous bavardez là. Je suis allé à Genève plus que, je peux dire plus que 80% des commandants ou que 99%. Vous m'avez vu avec une seule amende. Vous avez compris un jour qu'à Genève, on a fait ci, où je n'ai pas fait les mêmes actions. Ah non, je partais, je me cachais comme tu l'as dit.
Mon petit, il faut rincer ta langue, il faut parler. Quand tu ne sais pas parler, il faut parler ce qui est correct. Et dis toujours la vérité. Vous dites que on a passé la veille ensemble. Je n'ai jamais dormi à Genève avec vous. J'arrive à Genève à 6h du matin. Vous avez déjà fait votre stratégie. La stratégie que j'avais mise dans le groupe, vous laissez celle-là. Vous faites ce que vous avez décidé. Parce qu'une femme est devant. Hein? Moi, j'ai un pantalon, moi. Et je vous ai dit que ça ne marche pas comme ça. Je vous ai donné les tenants et les aboutissants. Si vous partez, on vous arrête tous. Et je vous ai dit pourquoi si on part à telle heure, on ne nous arrête pas. Vous avez dit non, non, on va qu'à aller que maintenant. J'ai dit, bon, partez alors. La famille, vous prenez soin de vous et n'oubliez pas ce que j'ai dit. Ici, c'est l'université. N'allumez plus les smartphones pour faire des selfies. Allumez les smartphones pour travailler. Que chacun dans son téléphone avant de dormir, il a fait quelque chose de sa vie. Quand vous filetez Facebook comme ça, vous tombez sur des messages. Peu importe d'où ça vient, laissez un commentaire. N'aie pas peur. Vous savez, la lutte à faire, on disait au Cameroun, oui, quand tu vas arriver à l'aéroport, on va t'arrêter. Vous pensez que si Pomba devait arrêter, il a arrêté combien de Camerounais? Il aurait arrêté combien de personnes? Il y a des personnes sur place qui laissent des commentaires vivant au Cameroun. Dans les réseaux sociaux, je les vois. Mais vous qui venez en diaspora, non, non, pardon, je ne veux pas moi les problèmes. Vous ne voulez pas les problèmes, vous allez mourir comme vous êtes né. Votre enfant que vous accouchez, vous dites vous l'aimez beaucoup. Vous n'aimez personne, même pas vous-même. Quelqu'un qui dit aimer les autres, protège les autres. Faites quelque chose de mieux pour que les autres restent bénéficiés. Vous avez fait quoi de votre vie pour que les autres restent bénéficiés? Vous êtes ici en Europe. Beaucoup d'entre vous continuent encore à donner l'argent chaque fin du mois à leur famille au Cameroun. Ça veut dire que vous n'êtes pas différent de la France. Au lieu de les apprendre à pêcher, vous leur donnez du poisson. On dit une lutte pour tout le monde, vous dites chacun doit manger dans son plat. Peuple africain, si on n'arrive pas à se concentrer, nous tous, on ne pourrait pas s'en sortir. Ces gens-là en face, ils ont une arsenal incalculable. Ils ont un arsenal incalculable. Et les personnes africaines qui n'ont pas à manger sont facilement manipulables. Regardez, prenez seulement les armes sur le terrorisme. Ils font comment pour recruter nos jeunes? Un jeune qui n'arrive pas à avoir même 5 000 en travaillant tous les mois, on vient lui proposer 100 000. Comment il fait pour ne pas porter les armes? Mais ce jeune-là, si vous l'arrêtez, vous dites, tu luttes pourquoi? Il ne connaît pas pourquoi il lutte. Il voulait juste un salaire. J'ai vu un audio comme ça venant du Mali. Les jeunes ont dit qu'on les paye 100 000 par mois. Lui ne veut pas combattre. Il sait que tout ça est faux. Même vous-même. Vous-même, posez-vous la question. Le jeune ne travaille pas. Il vit dans un village reculé. Plusieurs jeunes du même village, on les a arrêtés. 100 000 par mois. Ils ont souvent des primes. Si le Mali change sa monnaie, ça diminue le terrorisme. Parce que tous les terrorismes qui seront là, on va imprimer les francs CFA dans les casernes militaires au Niger. On va les remettre. Ils vont venir combattre. Comme ils combattent avec l'argent ou quand ils sont dans les marchés, ils vont payer où? Rien que pour changer cela, il y aura le service de renseignement, on va les arrêter. Ça va diminuer. Et créer de l'emploi pour nos jeunes. Parce que tant que nos jeunes n'ont pas d'emploi, ils vont toujours faire le désordre. L'Occident a su bien penser. Ils ont très bien pensé. Leur plan a été bien élaboré. Moi, je pense que leur plan a échoué. Du moment où ils ont laissé qu'on peut parler. Je vous assure, hein, restez un peu un seul instant, pensez. Le plan de l'Occident, ce petit groupe de bandits qu'on appelle communauté internationale, là, leur plan a échoué du moment où ils ont laissé que tous les villageois découvrent la ville. Regardez comment toute la République est en danger. Tout le monde, vous êtes plus de 300 personnes à me suivre, tout le monde est dangereux. Même celui qui me suit ici sans commenter, il est dangereux. Parce qu'il va accueillir quelque chose, il va dire, ah, ce que le gars a dit là, c'est vrai. Demain, il sera avec sa famille, ils vont en parler pour autre chose. L'erreur de la communauté internationale, s'ils voulaient toujours garder encore l'Afrique, comme cela se passait, dès au début pour les téléphones, ils devaient limiter que le système africain ne peut pas utiliser les téléphones satellites, machin là. Comme ils l'ont toujours fait. Première erreur, ils ont laissé. Deuxième erreur, Internet.
ils voulaient de l'argent. Ils ont produit les... Il y a beaucoup de technologies que l'Afrique n'a pas parce qu'ils bloquent ça toujours pour eux. Mais rien que le peu qu'on a là, on est extrêmement dangereux, sans le savoir. J'ai dit toujours, un villageois qui découvre la ville, c'est toute la République qui est en danger. Prenez même seulement l'exemple. Vous allez voir un gars qui vit au Cameroun. Le gars est toujours sec, comme quelqu'un qui fait le sport. Mais il ne fait jamais le sport. Hein. C'est la famine. La famine le rend sec. Tout son corps est chassé. Il n'a pas de graisse sur lui parce qu'il mange peu. Il arrive en Europe. Premier jour. Yaou. D'abord, dans tous les rayons de Yaou, là, il veut tout goûter. Poulet brisé. Vous voyez les poulets qui tournent dans la machine là. 80% des célibataires africains, quand ils arrivent ici, des jeunes là, ils mangent ça tous les soirs avec la mayonnaise. 2 mois plus tard, 3 mois plus tard, ton même frère que tu connaissais au village est tracé comme un ancien athlète là. Tu ne le reconnais plus. Il a pris le poids. Quand il parle maintenant, il a un autre ton. J'ai un gars qui est venu me trouver au lieu de travail. Il me dit, nègre, j'ai les 20 sur ma tête. J'ai dit que pourquoi? Il dit que tu as dit que tous les célibataires, pour reconnaître les célibataires, il a les 20 ici sur la tête. Voilà encore un autre problème qu'il vient créer ici. Tout ça, c'est pour dire quoi? Que les Africains, l'Occident a fait une erreur. Et cette erreur-là, ils vont payer très cher. L'erreur là, ils vont payer ça très cher. Parce qu'ils devaient garder les smartphones et l'internet pour eux. Nous, les villageois, on ne devait pas découvrir. Posez-vous la question simple. Si moi, je n'avais pas découvert l'internet, je suis ici tous les dimanches. C'est parce que je connais la vérité maintenant. Point 8, point 9, je dis les voleurs. Parce que j'ai internet. Il est très de mon état. Vous pensez que France 24 pourrait m'inviter un jour pour dire viens m'expliquer les problèmes de ton pays? Ils invitaient que ceux qui parlaient à leur faveur. Tu tentes d'écouter même une autre version, c'est tout leur faveur. Donc l'Occident a fait une erreur grave. Je dis bien grave. Laisser les Africains avoir l'accès à Internet. Et ceux qui l'utilisent parfaitement, c'est l'Afrique de l'Ouest. Entrez dans tous les trucs du Mali. Vous ne verrez pas les trucs qu'on parle de sans caleçon est monté, sans caleçon est descendu. Parce qu'il y a un truc que moi je n'ai jamais compris. Le peuple camerounais est le seul peuple, donc je peux dire l'Afrique centrale, est le seul peuple où le cerveau se trouve sur le bout de leur pénis. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. Le cerveau de tous les Africains de l'Afrique centrale se trouve sur le bout de leur pénis. Ils réfléchissent par leurs fesses. Si vous pensez que j'ai dit n'importe quoi, allez vous m'analyser, vous allez voir. Tout ce que tu peux parler avec quelqu'un de l'Afrique centrale, jusqu'à ça l'intéresse, c'est le sexe. Ça veut dire que leur cerveau... Parce que regardez comment Dieu a été intelligent. Il a créé l'homme. Il a fait que le cerveau de l'homme ne se trouve pas dans son ventre. Parce que c'est mou. Il l'a mis dans une boîte crânienne bien protégée. Regardez comment c'est dur. Non, pour les Camerounais, on a mis ça sur le bout de leur pénis. Prenez l'exemple. Moi, je vous dis toujours des choses qui sont vérifiées, véridiques. Vous partez, si vous pensez que je blague, vous prenez quelqu'un à côté, vous faites un peu le dialogue. Vous dites, mais dès que le gars ne dit pas n'importe quoi. Quelqu'un de l'Afrique de l'Ouest, vous ne pouvez pas rester avec lui. Vous commencez à parler des trucs du sexe. Première chose, vous savez ce qu'il va dire. Quand tu commences à dire Asafoulaye, Asafoulaye, il ne veut pas écouter. Pour ceux qui pensent qu'il dit n'importe quoi, j'ai dit ici c'est l'université. Quelqu'un de l'Afrique de l'Ouest, un Malien ou un Guinéen, comment doit-il parler du sexe? Comment faire les commentaires avec lui pour le sexe? Tu vois comment il veut seulement éviter le thème. Le Camerounais est seulement de passage. Il ne vous connaît pas.
Il ne vous connaît pas. Il est de passage. Il s'arrête. Que le Dieu nos ancêtres vous épargne. Pour tous ceux qui suivent ce direct et que leur cerveau se trouve sur le bout de leur pénis, trouvez moyen de la protéger mieux. On a un long combat à faire. La lutte n'est pas la précipitation. C'est pour ça qu'on va toujours tout faire pour tenir bon. Je vois beaucoup de personnes, parfois, ils font comme s'ils sont découragés. Mais la lutte n'a même pas encore commencé. Je vous ai dit depuis, dès le début de cette lutte, j'ai vu les gens s'embrouiller. J'ai dit, vous allez vous fatiguer. Vous allez vous fatiguer, vous n'avez pas encore compris. Parce que les gens se fatiguent parce qu'ils n'ont pas compris. Vous voyez, en partant, on dit que quand tu pars où tu vas dormir, tu n'es pas pressé. C'est-à-dire que psychologiquement, tu es tranquille. Parce que tu sais que tu pars là-bas pour dormir. Mais là d'où tu pars pour rentrer le soir, 5 heures tu es déjà en route. Parce que tu veux qu'à partir de 16 heures, tu sois encore de retour. Avant le coucher du soleil, tu es dans ta maison. Est-ce que c'est la même chose avec où on part pour dormir? Non. Nous, on veut se libérer. On a l'espoir d'être libre. Ce n'est plus sur les mots. On nous a dit qu'on était indépendant. Nous, on a dit que non. Vous avez dit qu'on était indépendant. Nous, on ne l'est pas. On veut maintenant être indépendant. On veut une nouvelle indépendance. Et créer une nouvelle date. Vos petits pipis que vous avez mis sur façade, le 20 mai, machin là, en Côte d'Ivoire, le 7, machin là. Non, non, ça c'est vos noms à vous. Ça c'est pour vous que vous avez créé avec vos petits copains. On va tous les chasser un matin. On va créer une nouvelle indépendance. Voilà, peuple africain, c'était mon message pour aujourd'hui. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. N'oubliez pas. Je ne dis rien ici pour insulter personne. Ceux que leur cerveau se trouve sur le bout de leur pénis, trouvez moyen de la protéger. Parce qu'avec cette pensée-là, je ne sais pas si on pourrait aller loin. Et on a besoin de libération. On a besoin des hommes et des femmes déterminés. Des personnes qui savent ce qu'ils veulent. Pas des personnes qui viennent pour se libérer parce qu'ils ont compris libération. Tu te libères de quoi contre qui? Travaillez vos têtes. Parce qu'avec ce système-là, on va avancer. Mais si on n'arrive pas à connaître pourquoi on se libère, je vous assure, ça serait très, très, très dangereux. Mais je voulais aussi remercier l'Occident. Parce qu'on dit que quand il y a photo, il y a but. S'ils ne font pas d'erreur, on ne pourrait pas marquer. Ils ont fait l'erreur, ils nous ont laissé les caméras pour pouvoir s'exprimer. Prenez ça comme vous voulez. Ils vont que nous écouter. Imaginez-vous une fille qui est dans un village de la Côte d'Ivoire au fin fond là-bas. Qui prend sa caméra pour parler du Mali, expliquer un problème du Mali. Vous pensez que cette fille-là qui n'est jamais venue à Abidjan, elle pouvait se mettre où pour parler? C'est grâce à la caméra qu'elle s'est exprimée. Voilà la famille. Prenez soin de vous. Rendez-vous dimanche prochain à 15h. Je ne vais plus être absent. Je vous ai dit, tout ça c'est un peu les trucs familiales. Gardez les enfants. Faites des vacances. Et comme j'ai dit au début, les pères d'enfants qui sont parmi nous, de temps en temps aussi, prenez les enfants, allez en vacances avec votre femme. Passez les vacances tout seul, rien que vous et les enfants. Ça va permettre aussi que l'image que vous avez de votre femme, vous allez changer. Quand elle va souvent se mettre en colère, vous allez comprendre pourquoi ça ne va pas. Et les mères seules, je vous tiens un coup de chapeau. Les mamans qui vivent avec les enfants seuls, qui n'y a plus de mari là, je vous tiens un coup de chapeau. Parce que ce n'est pas facile. Que le Dieu nous enseigne, vous bénisse tous. Rendez-vous dimanche prochain.